Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24h sur 24, sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité, avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24h sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Soyez les bienvenus, merci d'avoir choisi Alter Radio 106.1 et alterradio.org. Les amis sportifs, tout partout, bonjour, bonsoir. C'est avec un bel plaisir que nous retrouvons une autre fois encore pour présentation Alter Sport, c'est le journal de l'espoir nous, qui passe à 6h30, 10h30 dans le soir, minuit et demi, 4h30, 5h30 dans le matin et puis midi et demi. Grand titre dans la qualité sportive, la Sport National Football, classement mondial FIFA, Haïti conservé 47e place PIA, la Caïmise, en vue d'implémenter sa politique de sauvegarde, fédération a cherché un officier dans le domaine formation ce jeudi et ce vendredi au Building Expression Galerie d'Art à Pétionville. Taekwondo, championnat national, sorti 11 pour 25 novembre. Compétition qui a couvert 4 départements, ouest, nord-ouest, Antibonite avec sud. À l'étranger, tennis, un tournoi de Guadalajara au Mexique, Caroline Garcia, qualifiée pour quart de finale. Basketball NBA, Dwight Howard a laissé au Golden State Warriors. Sport et société JO 2024, un consulat olympique pour le visa des délégations. Les organisateurs cherchent cuisiniers, chauffeurs de bus et des agents de sécurité. Football, classement mondial FIFA, Argentine confortée première place PIA, la France toujours deuxième, le Brésil complété podium là. L'entraîneur italien Vincenzo Montella, nouveau sélectionneur de la Turquie. Europa League, première journée. Victoire pour Rennes, Liverpool et AS Roma. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Développement, actualité sportive, d'abord sur le plan national. Haïti conservé 47e place là dans dernier classement mondial FIFA qui publié jeudi. Ronaldinho vient tout de suite après Bahrain 46e mondial et devant le Gabon 48e mondial. Dans un CONCACAF, Haïti était également 9e. Les 10 premiers au classement, numéro 1 États-Unis, 11e mondial, numéro 2 Mexique, 12e mondial, numéro 3 Canada, 44e mondial, numéro 4 Panama, 45e mondial, numéro 5 Costa Rica, 46e mondial, numéro 6 Jamaïque, 56e mondial, numéro 7 c'est Salvador, 76e mondial, numéro 8 Honduras, 77e mondial,
numéro 9 Haïti, 87e mondial, numéro 10 Curaçao, 90e mondial. Pour l'autre part, la Fédération haïtienne de football a annoncé la formation de sa première cohorte d'agents de sauvegarde et protection des mineurs dans le milieu sportif pour les jeudis 21 et vendredi 22 septembre. Sorti 9h dans le matin pour arriver 4h, ça qui commence. Des massages inscrits dans le cadre d'engagement Fédération haïtienne de football relatif aux exigences nous capables de la FIFA à créer un environnement sain et propice à l'évolution de nos jeunes athlètes. Il est à noter que cette formation l'IAP déroulé dans le building expression Galerie d'art qui trouvait lui au 55 rue Médélus à Pétionville en face des ambassades du Mexique et de l'Argentine. La BDC première formation ça, il a suivi d'autres dans différents endroits du pays puisque il va servir de prérequis dans le processus de renouvellement des affiliations pour les académies. Football d'aujourd'hui, Coupe du Grand Sud, deuxième édition, Hollande des Gabions des CAI, grande finale ce dimanche 24 septembre entre les KFC et le FC Standard. En demi-finale, FC Standard débat le Cavalier de Logan 2-1, alors que les KFC étaient qualifiés aux dépens de Victoria de la Borde, 4 tirs obligatoires après le nul 1-1. Le match pour la troisième place, c'est pour ce samedi 23 septembre à 4h, PM Hollande des Gabions entre le Cavalier de Logan et le Victoria AC. Les primes de la deuxième édition de la Coupe Grand Sud. Équipe championne 1 million de gouttes, plus trophée et médaille. Vice-championne 500 000 gouttes, plus trophée et médaille. Troisième, c'est 250 000 gouttes. Quatrième, au motocyclette. Et puis meilleur buteur, 50 000 gouttes. Meilleur joueur, 20 000 gouttes. Alter Sport, toutes nouvelles sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point, l'actualité sportive là, sur le plan national, la Fédération haïtienne de Taekwondo a annoncé l'organisation de son championnat national ce 11 pour 25 novembre 2023, malgré les défis qu'il y a à l'insécurité et aux migrations. Le championnat va couvrir 4 départements, Ouest, l'a déroulé Carrefour, Nord-Ouest, l'a fait Port-de-Paix, Artibonite, Saint-Marc et puis Sud, les CAI. Les catégories retenues, c'est moins 58 kg, moins 68 kg, moins 80 kg, plus 80 kg la carrière sur eux, moins 49 kg, moins 57 kg, moins 67 kg, plus 67 kg la carrière mesdames. Et puis, judo, la Fédération internationale a publié le 19 septembre 2023 les classements en raison de l'absence à plusieurs compétitions internationales. La superstar haïtienne Etienne Meni Jennifer, moins 52 kg, est régressée au classement mondial et qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Avant publication nouveau classement, ça, Etienne Meni Jennifer, était 68e olympique avec 146 points. Actuellement, il est 75e malgré cette rétrogression. Il est conservé Kotali pour la qualification pour les JO de Paris 2024. On s'y pose. Là, nous retournons, nous allons aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Mes amis docteur Georges, à pas m'tende ces choléras qui touillent Pierrot, de quoi m'tende maladie ça a te passé? Passé, madame Jean, non marché. Après choléra te fin disparaître pendant un bon bout de temps, li retourne à faire des gars encore. Mais comment pour nous barrer choléra, docteur Georges? Ça facile. De pour servir à glo traité pour boire et puis manger, laver mais à glo ak savon, si tout les saute dans toilette ak avant ou manger, choléra pas besoin de route pour entrer sous la barre bien barré. Eh bien, pas gen problème. Nous tout konn bagay sa yo déjà. Konnen se youn, mais est-ce que nous fait yo? Bon, nous fait ça nous capable. C'est pas fait ça nous capable, non? Yon sel green fois compte pour choléra rentrer sous. Connaissez youn, mais c'est pour nous prendre précaution tout le temps. Songez, choléra reparaît, c'est nous tous qui pou baril. C'était yon message MSPP ak partenaire Lio. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts.
Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Li tou nen oui ki bo ou mandem même bo wa tout près ou là bo la ria nan Delma 32 oui nous relouvri Delimat Delma 32 relouvri en pimpant pi gwo pi belle ak plus rayon plus produit plus service Delimat a remercié pour confiance ou placé nan li. Ah, quant à ça. Et c'est pour ça, pile bon ak paquet client Delma nou yo, pas de carton pour vi noue nouveau Delimat yo. Et nous-mêmes, hey, ou quoi c'est content, nous content ouais moun nou yo. Ça fait presque 5 ans oui, depuis yo te séparé nous brit soukou. C'est certain, gen un pile bagay qui changé nan nou, nan vi nou, mais gen un seul engagement qui restait intact. C'est respect nous gagnons youn pou lot ak lan moun nou pour pays nou. Seul petit pays noir. Delimart, les meilleurs prix tous les jours. 100 jours soleil! C'est pas jouer, nous pas jouer, non? C'est gagner, nous pas gagner grâce à plein soleil Digicel là! Composez étoile 617 ou soit aller sur l'application MyDigicel là, activez plein soleil pour 5 gouttes seulement. Et puis, jouez chance gagner 100 000 gouttes Digicel à paille là! Si vous jouez une chose pas, quand même grinché! Restez bien relax, parce que c'est 100 clients qui peuvent jouer une possibilité de gagner une belle promotion ça, qui peut dire 100 jours et chaque jour, avec un client qui peut sortir à 100 000 gouttes, capte ton directement sous compte mon cash. Qui donc 100 000 gouttes pour 100 moun pendant 100 jours. Y a un plan bien facile pour activer et puis chanson en plein mot grâce à Digicel. Digicel n'a toujours pas au plus. Année l'école 2023-2024 là a commencé lundi 11 septembre 2023. D'après calendrier ministère éducation nationale, Jean ça toujours fait, gen plusieurs mesures ministère a déjà prend ak support gouvernement pour accompagner maman ak papa petite dans occasion rentrer l'école là tant coup bay livre gratis dans l'école yo, subvention pour aider parents yo, kit scolaire, uniforme ak cantine scolaire et latrier. Toute l'école dans le pays d'Haïti doit l'ouvrir porte pour accueillir élèves lundi 11 septembre 2023. Directeur l'école doit prendre bon gens disposition dans tête collée avec enseignants pour respecter date 11 septembre 2023. En respecter calendrier scolaire 2023-2024 là qui prévoit 191 jours l'école, 955 aides-temps enseignement pour l'école fondamentale, 1146 aides-temps enseignement pour l'école secondaire, ça qui a permettre élèves et enseignants yo travail pi bien sous tout programme classe yo. Maman ak papa petite, parents qui responsable timoun yo, on prépare depuis kounye ya pour nous voyer timoun yo l'école depuis premier jour l'école là a ouvri qui c'est lundi 11 septembre 2023 pour timoun yo capable prendre bon jan éducation sans manquer yon jour l'école parce que éducation c'est pi gros outil pour développement timoun yo ak développement pays ya. L'école pa katann. Centre de communication appliqué Sénacom. On cherche un mot l'école de communication. Améliorer langage ou c'est une obligation. Pour nous toujours l'ouvrir pour nous faire inscription. Nous bonnes nouvelles c'est sur une choisie. Journalisme, multimédia, animation, présentation, radio, télé, communication française, oh, oratoire, journaliste sportif. Sénacom. Pour la section d'audiovisuel, on a montage vidéo, vidéographie, technique de mise en onde, photographie, graphique design. Yeah, yeah. Dans Sénacom, nous avons une spéciale auto-école, non seulement yon mois qui vient chauffer. Et puis, il va te chauffer tête chat, non? Sénacom, numéro 12 rue Joule, Delma 33, à proximité de CPEM, local du Centre Pédagogique Frères Unis. Contactez-nous au 36 26 45 44 55 40 53 18. Inscription en cours pour la nouvelle session. Sénacom, une école pratique. Sénacom, le présent de votre avenir. Yobo, t'es quoi dit, si dame, ça que j'aime vivre ici dans la salle? Bon, comment le faire en forme comme ça, mine? En tout cas, bro, elle est en forme, frère. Bah, privé, non, papa. Pourquoi c'est pas capon? Cher. Bon,
Qui ça ou ap di la? Ou pas informé? On moun ki gen virus sida, c'est tant qu'on est pot maladie chronique oui, tant kou maladie ke, sik, tension. Et puis tout, les pi moun nan pye pran médicament, la mene vie familiale, aller l'école ak travail normalement oui. Crété, Régine, comment fait kon tout bagay sa yo? Maman ben docteur oui, crété, ou gen l'oublié. Et puis mou informé en pile sou sujet a. Yon moun ki gen jem sida, ki toujou bien pren médicament ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement, li pa ka ba yon lot moun sida nan fè sex. Se tan kou virus la te disparèt nan san. Oh. Disparèt nan san même, ça veut dire li pa gen lankò? Li toujou gen, mais grâce ak médicament ARV yo, quantité virus ki nan san la vin tellement petit, test ak examen laboratoire pa même rive détecter. Mais faut que li toujours prend médicament ARV chaque jour et puis allo faire test là chaque 1 an. Information c'est gros causé. Pour moi depuis mon nan gen sida, la ville fini. Problème manque information ça fait nous faire en pile discrimination vraiment. Informe dans des timon. Yon ti kras VIH nan san égal zéro transmission. C'est un message ministère santé publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive la Bourgogne sur le plan international football, la FIFA l'a publié jeudi. Nouveau classement ligne après les rencontres internationales du mois de septembre avec peu de changements en haut de tableau. L'Argentine est confrontée sa première place après ses succès contre l'Équateur 1-0, Bolivie 3-0 lors des qualifications à la Coupe du Monde 2026. L'Albi Célesté, champion du monde en titre, a profité pour y accentuer à avancer sur la France, toujours deuxième mais pénalisé par sa défaite en amical en Allemagne de 1 quelques jours après son succès contre l'Irlande 2-0 lors des qualifications à l'Euro 2024. Deuxième place bleue, est désormais sérieusement menacé par le Brésil, troisième également vainqueur de ces deux rencontres en septembre contre la Bolivie 5-1, puis le Pérou 1-0, l'Angleterre 4e, la Belgique 5e, complété top 5 clan. L'entraîneur italien Vincenzo Montella est nommé jeudi sélectionneur de l'équipe de Turquie au lendemain du limogeage de l'Allemand Stefan Kunz. Montella est entraîné de septembre 2021 à l'été dernier l'Adama Demstor club turc qui était ici à la 4e place de la Super League la saison passée, 2 ans seulement après accession en élite football là. La Turquie 41e au classement mondial occupée et la seconde place du groupe D des qualifications pour l'Euro 2024. Europa League, première journée, principaux résultats, gen Rennes qui bat Maccabi Haïfa de Franzi Biro 3-0, gen Liverpool qui al bat l'AS de l'Autriche 3-1, AS Roma en déplacement bat Sheriff de la Moldavie 2-1, 3-3 entre Ajax et Marseille, Panathinaikos bat Villarreal 2-0, Rangers bat Real Betis 1-0, 1-1 entre Union Saint-Gilloise et Toulouse, victoire de l'AS Carthage 3-2 aux dépens de Brighton en déplacement. Deuxième journée, jeudi 5 octobre. Grand petit rappel de principaux résultats. Première journée, Ligue des Champions. Et Bayern Munich qui te bat Manchester United 4-3. Arsenal te bimé PSV Eindhoven 4-0. Real Madrid grâce à Bellingham 90e minute plus 4 bat Union Berlin 1-0. Et puis Naples en déplacement bat Braga 2-1. Gagné Inter Milan avec la Sociedad qui fait match au goal partout. L'autre résultat, Ligue des Champions. Gagné Lazio avec Atlético Madrid qui fait un goal partout. Paris Saint-Germain, grâce à Mbappé et Hakimi, débat Borussia Dortmund 2-0. Milan AC Newcastle 0-0. Gagné RB Leipzig qui débat Young Boys sur 3-1. Manchester City débat Étoile Belgrade 3-1. Sans ne pas oublier cette belle victoire du FC Barcelone 5-0 au dépens de Royal Antwerp. Deuxième journée, mardi 3 octobre, mercredi 4 octobre, Cabé Vinila. Actualité football là, toujours sur le plan international, rubrique championnat européen. En Espagne, c'est Bral donc 6e journée à ce vendredi 22 septembre, 3h à la veste à recevoir Athletic Bilbao. Samedi 8h du matin, Girona Mallorca, 10h15.
Séville a dépassé pour rencontrer Osasuna. À midi et demi, samedi, FC Barcelone, Celta Vigo. Et puis à 3h, Almeria, à Paris Valence. Dimanche matin, 8h, Getafe a déplacé pour rencontrer Real Sociedad. À 10h15, Rayo Vallecano, Villarreal. Midi et demi, Real Betis, Cadiz. La même Real Las Palmas, Granada. À 3h ce dimanche, Atlético Madrid, Real Madrid, Derby madrilène. Classement Real Madrid en tête avec 15 points. FC Barcelone 13, Girona 13. 4e Atlético Bilbao 10 points. 5e Valence 9. 6e Rayo Vallecano 9 points. 7e Atlético Madrid avec 7 points. En Angleterre, c'est Bral, donc 6e mouné à partir de ce samedi 10h du matin. Il y a plusieurs rencontres, notamment Manchester City qui a reçu à Nottingham Forest. Fulham a déplacé pour rencontrer Crystal Palace. Luton Town a accueilli Wolverhampton. À midi et demi samedi, Brentford contre Everton. À 3h, à bon certain, Burnley, Manchester United. Dimanche matin 9h, Chelsea contre Aston Villa. Par contre, tête d'affiche, la même l'heure, 9h du matin, Arsenal Tottenham. Liverpool a recevoir West Ham. Brighton a accueilli Bournemouth. Et puis à 11h30, dimanche, Sheffield United. Nous cassons Manchester City en tête avec 15 points, avec 13 points. Tottenham, Liverpool, Arsenal avec 12 points. 5e, Brighton, 12 points. 13e, Manchester United 6 points. 14e, Chelsea avec 5 points. En Italie, c'est Bral, donc 5e mounia d'ici ce vendredi, midi et demi. Salernitana a recevoir Frosinone à 2h45. Genoa a déplacé pour rencontrer Lecce. Samedi matin 9h, Milan AC a accueilli Verona. À midi, Sassuolo a joué avec Juventus. 2h45, Lazio a recevoir Monza. Dimanche matin 6h30, Inter a déplacé pour rencontrer Empoli. À 9h, Atalanta a accueilli Cagliari, la même l'heure. Udinese a recevoir Fiorentina. À midi, Bologne contre Naples. Et puis à 2h45, Torino contre AS Roma. Classement, c'est Inter Milan tête avec 12 points. 2e Juventus, 10 points. 3e Milan, c'est 9 points. 4e Lecce, 8 points. 5e Naples avec 7 points. En France, d'ici ce vendredi 22 septembre, c'est donc le 6e journée à 3h PM, Monaco a reçu Nice. Samedi 23 septembre, 11h le matin, Lorient a déplacé pour rencontrer Nantes. 3h, Brest contre Lyon. Dimanche matin, 7h, Metz a accueilli Strasbourg. 9h du matin, Toulouse a déplacé pour rencontrer Lens. À même l'heure, Lyon va recevoir Clermont Foot. 11h05 dimanche matin, Montpellier-Rennes. 2h45, un bel match entre Paris Saint-Germain et Marseille. Attention. Et puis lundi 26 septembre, 3h, Lille face à Reims. En classement, c'est Monaco qui est en tête avec 11 points. 2e, Brest 10 points. 3e, Marseille 9 points. 4e, Nice 9 points. 5e, Paris Saint-Germain avec 8 points. Puis en Allemagne, 5e journée, c'est à partir de ce vendredi. 2h30, Stuttgart a recevoir Darmstadt. Samedi matin, 9h30, après plusieurs rencontres, Augsbourg contre Mayence. Bayern Munich a accueilli Bochum. Mönchengladbach a joué avec RB Leipzig. Dortmund a recevoir Wolfsburg. Offenheim a déplacé pour rencontrer Union Berlin. À midi et demi samedi, Werder Bremen contre Cologne. Dimanche matin, 9h30, Leverkusen a accueilli Heidenheim. À 11h30, Eintracht Frankfurt contre Fribourg. Classement, c'est Leverkusen en tête avec 10 points. Deuxième, Bayern Munich 10 points. Avec 9 points, RB Leipzig, Stuttgart et Offenheim. Et puis, 7e Dortmund avec 8 points. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Dernière ligne droite, journal des sports, amis auditeurs, sport et société, les organisateurs des Jeux Olympiques Paris 2024 à chercher cuisiniers, chauffeurs de bus, agents de sécurité et de nettoyage, logisticiens. Quelques 16 000 offres d'emploi seront ainsi proposées lors d'un forum la semaine prochaine. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est du 26 juillet au 8 août. L'actualité du tennis, quart de finaliste de l'Open de San Diego, la semaine dernière battu par l'américaine Danielle Collins. La française Caroline Garcia, tête de série numéro 3 au Mexique, l'y prend revanche à Guadalajara. Son autre américaine, c'est Hayley Baptiste, qui l'avait battu au premier tour de l'Open d'Australie en 2022. 4-6, 7-6, 6-3, sortie du top 10 mondial lundi. La Lyonnaise s'est imposée en 2-7, 7-5, 6-4. Basketball NBA, pour nous finir, Dwight Howard, il passait 2 jours à San Francisco pour essayer de convaincre les dirigeants des Warriors qu'il a sa place dans l'effectif pour la saison à venir. Selon la presse américaine, la direction fera son choix très rapidement, alors qu'il était 2 places à prendre dans le roster. Aujourd'hui, âgé de 37 ans et après une saison à Taïwan, Dwight Howard n'a cessé cet été de faire des appels du pied pour revenir en NBA et notamment aux Kings de Sacramento. Ils lui ont préféré JaVale McGee, son ancien coéquipier
aux Los Angeles Lakers. Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui domine la qualité sportive là sur le national football classe mondiale FIFA, Haïti conservé 47e place à la Camisio. En vue d'implémenter sa politique de sauvegarde, fédération a cherché un officier. En nous maintenant, formation ce jeudi et ce vendredi au building expression Garida à Pétionville. Taekwondo, championnat national, du 11 au 25 novembre, compétition qui a couvert 4 départements, Ouest, Nord, Ouest, Antibonite, Sud. À l'étranger, tennis, tournoi de Guadeloupe au Mexique, Caroline Garcia, qualifié pour les quarts de finale. Basketball NBA, Eduardo Ward, a laissé au Golden State Warriors. Sport et société, JO 2024, construit la Olympique pour les visas des délégations. Entre-temps, les organisateurs ont cherché cuisiniers, chauffeurs de bus et des agents de sécurité. Football, classe mondiale FIFA Argentine, confronté première place Lia. La France au deuxième, le Brésil complété podium. L'entraîneur italien Vincenzo Montella, nouveau sélectionneur de la Turquie. Europa League, première journée, victoire pour Rennes, Liverpool, AS Roma. Voilà donc, madame, monsieur, pour essentiel, actualité sportive, classe nationale et internationale. Merci en pile pour fidélité aux amis auditeurs. Merci à collaborateurs, nous. Justin Dewa qui était dans la réalisation. Hein. On y croit, c'était Spine Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio, sur 6.1 à alterradio.org. Édition Jonas, on a venu un podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Tuning, sur Zeno Radio, sur Apple, sur Spotify et Google Podcasts. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, l'idée frais, nos affaires radio.
Alter Radio, li fè, inè. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Li tou nen wè? Ki bo ou mandem? Mem bo wa, tou pre ou la, bo la ria. Nan Delma 32 Delimat. Oui, nou relouvri Delimat. Delimat Delma 32 relouvri en pimpant, pi gwo, pi bel, ak plis rayon, plis prodwi, plis servis. Delimat apre mersi pou konfyans ou plase nan li. Ah, kant a sa. Et c'est pour ça, pile bon ak paquet client Delma nou yo, pa de katann pou vi noue nouvo Delimat yo a. Et nous-mêmes, hey, ou quoi c'est content, nous content ouais moun nou yo. Ça fait presque 5 ans oui, depuis yo t'es séparé nous brit soukou. C'est certain, gen un pile bagay ki change nan nou, nan vi nou, mais gen un seul engagement ki rete intact. C'est respect nous gagnen youn pou lot ak lan moun nou pou peyi nou. Sel ti peyi nou. Delimart, les meilleurs prix tous les jours. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Le Sénat américain a confirmé mercredi 20 septembre le général Charles Boisron au poste de chef d'état-major des armées, l'une des centaines de nominations bloquées par un sénateur républicain opposé à l'avortement. Ce général afro-américain avait été présenté en mai par le président Joe Biden comme un guerrier doté des plus grandes qualités militaires, mais aussi mobilisé contre le racisme. La validation de sa nomination, comme plus de 300 autres, était bloquée par le sénateur Tommy Tuberville, vent debout contre une politique du Pentagone favorable à l'accès à l'avortement des soldats. Conscient du risque de lassitude de la part du grand allié américain, Volodymyr Zelensky est arrivé ce jeudi 21 septembre à Washington pour tenter de convaincre les États-Unis de l'aider à passer la ligne d'arrivée face à la Russie, si possible avec de nouvelles armes puissantes. Olena et moi sommes arrivés à Washington, a écrit le président ukrainien sur X. Lors de mes réunions, la défense aérienne sera l'une des principales priorités, a-t-il ajouté, dénonçant une nouvelle attaque massive de missiles russes sur l'Ukraine la nuit dernière. L'ambiance a changé depuis sa visite du 21 décembre 2022 dans la capitale américaine. Ce déplacement, son premier à l'étranger depuis l'invasion par la Russie en février de la même année, avait été préparé dans le plus grand secret. Les images du président ukrainien dans sa tenue khaki sous les colonnades de la Maison-Blanche et acclamé au Congrès appartiennent d'ores et déjà à l'histoire.
Autre nouvelle, l'Allemagne organisera le 11 juin 2024 la prochaine conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine, a annoncé mercredi 20 septembre le chancelier Olaf Scholz après une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky à New York. Cette réunion aura lieu à Berlin, ont ajouté les services de la chancellerie.